Alors, Lemon Tree, c'est une entreprise qui propose des services innovants pour le recyclage des emballages de boissons, canettes, bouteilles, gobelets, pour toutes les zones de consommation hors foyer. Très concrètement, les gens recyclent à la maison, vous avez votre bac jaune, mais quand vous êtes en dehors de chez vous, c'est beaucoup plus compliqué de recycler. Et nous, on installe des bornes qui sont en fait des distributeurs automatiques inversés qui avalent les emballages et qui sont capables de reconnaître votre bouteille, votre canette, votre gobelet pour ensuite le trier et l'emmener vers le recyclage. Le principe de Lemon Tree, il est aussi innovant parce que la machine reconnaît, trie, compacte. Mais également, on a une approche qui est beaucoup plus incitative pour rendre le tri le plus sympathique possible, à savoir qu'à chaque fois que vous déposez un élément à l'intérieur d'une de nos machines, soit vous créditez quelques points sur un badge, soit vous déclenchez une loterie pour gagner un petit carré de chocolat équitable, voire une place de cinéma, et on va même jusqu'à faire des bons d'achat. Actuellement, on déploie massivement des machines dans les centres commerciaux. Chaque bouteille que vous déposez, c'est 2 centimes à valoir sur tout le magasin. Une promesse qui est très claire quand vous déposez quelque chose dans une de nos machines, c'est que tout sera recyclé à 100%, donc du recyclage matière, on crée de la nouvelle matière première, qu'on appelle matière première secondaire, et tout est recyclé en France, donc dans des usines qui sont réparties un peu partout dans l'Hexagone avec leurs spécialités, aluminerie, aciérie, plasturgie. En fait, on redonne vie à ces emballages avec une démarche très circulaire. Quand vous déposez une bouteille, par exemple, elle pourra redevenir une nouvelle bouteille. Évidemment, je recommande la participation au programme Créarif. L'idée, c'est de bénéficier de toute la bienveillance que véhicule cet écosystème, des conseils auprès d'experts, et ça aide énormément les structures comme nous à se développer et à se projeter vers l'avenir.